Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Donc, j'ai légèrement augmenté le son, à vous de me dire maintenant si c'est mieux. Crac, on y va. Scan. Armement. Certaines de ces plantes ont l'air de tentacules. Cac. L'eau est vraiment de l'eau ici. Dash. Jump. Ok. Sans Sam, difficile de dire ce que c'est au juste. Sorte de plante. Ces structures qu'on a vues en arrivant, qui pourrait survivre dans ces conditions? Je sais pas si je tiens à le savoir. Voilà notre transmetteur. Ok, allons voir. Il est grillé. Rien à faire. Tac. Explique pourquoi on a perdu notre connexion à Sam. Au fait, un petit D'accord. conseil. Respirez pas cet air. Je l'ai découvert à mes dépens. Compris. Je réfléchis dans les plantes quand même, mais enfin dans les débris, vous savez, dans les... qu'il pourrait y avoir des débris dans les plantes. Apparemment, c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu. Ça m'a dit que c'était de l'énergie noire, mais c'est dans l'espace. Ouais, sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Sympa ça aussi. Les noms pertinents. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, il faut qu'on avance. Est-ce qu'on a une nouvelle forme de vie inconnue? D'accord, vous gagnez des points, d'accord. Donc, encore une fois, merci à Funhour pour ça. Pour le jeu qui est vraiment... C'est vraiment gentil de sa part. Oula, celui-là il est pas passé loin. C'est quoi ce truc? J'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, clairement. Hop, allons-y. Votre arme fonctionne ? Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Ça a l'air d'avoir marché. J'aurais peut-être dû la scanner avant. On en verra plein d'autres. Ok, bon bah. Là-bas ! On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Venez! Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. D'accord, j'imagine qu'il a fait le plan automatiquement. Tu m'as dit quoi là? Je crois que je vois un chemin. On utilisera nos micro-propulseurs si nécessaire. D'accord, B pour passer par-dessus. Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Encore des champignons lumineux. Je détecte énormément d'énergie. J'y comprends rien du tout, mais c'est du costaud. D'accord, c'est joli. J'aime beaucoup pour l'instant. C'est surprenant en fait, c'est... Enfin, c'est pas commun. Je veux dire, on a joué à plein de jeux, il y a eu des Halo, il y a eu plein de jeux qui sont passés dans l'espace. Mon père vous a trouvé. J'étais flic. J'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. D'accord. Je vous raconterai autour d'une bière un de ces quatre. D'une bière? Ça m'intéresse. Pas en canette, pas en bouteille. Oula. Ça va être limite. Mais non. Wow. Tu te C'est calmes. Bon. On y a presque... Je t'ai vu te téléporter derrière, hein. Fais pas genre. Hein. Hop là. Je crois que je vois le sommet. Cinématique. Vous me faites un peu de place? Oh le feignant. Le mec c'est un chef de la sécurité mais il a pas de force quoi. Bon après on sort d'une cryostase donc Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose qui pue selon moi. Des ennuis. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un hôtel. Je comprends rien à cet endroit. Je vais essayer de répondre à peu près ce que je réponds un petit peu avant, vous voyez, c'est... Pas aujourd'hui. Oh, ça pue. Ryder, c'est Fisher. Non. Regardez. Ah, t'es laid. Ah, t'es juste très très moche.
arrêté par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat. Qu'est-ce qu'on fait? On s'attend au pire. On se tient prêt si ça dégénère. C'est souvent le cas. Ok. J'ai qu'un mot à dire et je tire. Ils ne nous ont pas encore repérés. Il me faudrait que je sache comment je me baisse, comment je... Ce serait véritablement intéressant. Caméra déplacement, marcher, courir, sprinter et sauter, d'accord. Franchir en sautant, d'accord. Et j'aimerais me baisser. D'accord, on va sur le scanner, les combats, les bases. Maintenez select pour la rengainer, d'accord, ok. Viser, tirer, ça me semble logique. Corps à corps, ok. Couverture. Couverture automatique. D'accord. Tirer à couvert, ok. Logique. Combat pouvoir. Bas à droite de la TH, d'accord. Combat aérien. Vol stationnaire. D'accord. Ok, intéressant. Merde, ils ont vu Fisher. Je comprends pas. Marianne, shoot it. Il nous a vu. Ne tire pas. Je comprends pas ce que vous dites. Rendez-nous notre homme, ou ça va mal finir. Gershad. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Merde, Marianne, il se fait tabasser. Il l'a tué? Ils ont pas l'air très balèzes hein. Ok, c'est fini. Fisher, tout va bien? C'est raté pour l'approche pacifique. Merci de votre soutien. Je ne voulais pas me battre. J'aurais préféré m'abstenir. On n'avait pas prévu que les premiers aliens qu'on rencontrerait nous sauteraient à la gorge. Il faut revoir nos plans. Certes. On les fixait. Les brochures étaient un peu vagues sur les aliens aux mœurs sanguinaires. On sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Par contre, j'ai un manque de puissance de feu. Je dirais des prélèvements sanguins. En fait, on est peut-être même pas capable de se comprendre. C'est une nouvelle galaxie. On ne peut pas s'attendre à appliquer les règles de la Voie lactée. Quelle galaxie applique ce genre de règles? Pourquoi s'en prendre à nous? La seule chose qui est sûre, c'est que leurs armes font aussi mal que les nôtres. Oui, bah j'aimerais bien avoir plus gros, moi. Où sont les autres? Où sont les autres? Là. Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah, ma jambe! Ah, tu t'en es rendu compte que maintenant? Elle est cassée. Je crois bien. Vous occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr? Ça se trouve, j'aurais dû le laisser crever. Enfin, pas laisser crever, mais si ça se trouve il va mourir dans tous les cas, j'aurais peut-être pas dû être offensif. La vache, regardez ces cadavres. C'est quoi ces créatures? Scannons ça. Sans Sam, c'est pas évident, mais je peux essayer d'en tirer quelque chose. Ils ont un ADN, et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Faut croire que la vie a pris un tournant différent ici. Ah, je peux pas le rescanner, dommage. Si, c'est j'espère bon. Que l'autre équipe va bien. On les retrouvera. Mais on devrait peut-être partir en reconnaissance d'abord. Aïe. Vous, l'explorateur. Après vous. Ok. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de... Ramasser l'objet, tout prendre. Concentrateur de bouclier. D'accord. Et munitions incendiaires. D'accord, ok, ça c'est cool. Tout prendre. Tant avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance. J'aimerais bien d'autres armes, cela dit. Hein. Y a pas de souci. Hein. Allez, bah y'a un truc aussi. Non, sérieusement, j'aimerais bien une autre arme. On a quoi? Ok. Inventaire, j'ai pas le droit d'y toucher, donc bon, tant pis, on va voir avec. On va faire ça, hein. Bon, clairement, le jeu nous dit qu'il y a rien d'intéressant par là. Du coup, moi, j'y vais. Je me rends, j'ai dit. Quoi? Descendu.
comptez sur moi. S'ils cherchent la bagarre, ils vont pas être déçus. J'ai plus de bouclier. Mes boucliers remontent. Ok. J'en vois plus qu'un. Putain, il est pas puissant. Hein. C'était le dernier. Merde. J'en reviens pas qu'on en soit. Merde. Fonction vitale à zéro. Abattu de sang-froid. Il était en train de se rendre. Pourquoi le tuer? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement s'ils avaient débarqué sur Terre armés jusqu'aux dents? C'est pas faux. Peut-être pas. La paix n'a pas l'air d'être au programme avec eux. J'aurais peut-être pas dû l'abattre, le premier. Ah, on a récupéré un fusil d'assaut. Son corps quand on aura retrouvé les autres. J'espère que Greer est toujours en vie quelque part. Mais regardez un peu cette architecture. C'est quand même quelque chose. C'est pas ce que je voulais faire. Ça c'est pas le bon bouton, ça c'est le dash. La roue elle est où? Mais non. La roue elle est où? Voilà, bon c'est pas grave. La roue elle est où? Je l'avais tout à l'heure. Bon, attendez, je l'avais tout à l'heure, la roue des didacticiels. Apex, groupe d'assaut fabrication. Non, ça m'intéresse pas, ne se faire spoiler, merci. Merci. Combat, commande de l'équipe, coéquipier, roue des armes. D'accord, sur select, tout bêtement. Non? D'accord, oui, ça appuie une fois. Ok, on peut peut-être avoir mieux comme arme du coup. On y va. Vous voyez comme quoi on a bien fait, je trouve. Je peux pas le scanner. Et les corps ont disparu. Ok. J'ai jamais rien vu de tel. Ça a l'air d'avoir au moins... D'accord, ça c'est vraiment bizarre. Même avec ces relevés, je vois pas du tout à quoi ça sert. Vous imaginez le cerveau qui a inventé ça? Je sais pas si c'est possible. Nous avons évolué séparément à 2 millions d'années-lumière de distance. Dit comme ça, ça fait un peu flipper. Non, c'est vrai, il a raison, il y a... La distance fait que ça pourrait être un bordel monstre pour essayer de nous... Merde, vous entendez ça? Malheureusement, oui. Là-bas, attention! C'est quoi ce truc? C'est bon. On l'a eu. Je me demande ce que c'était. C'est une créature organique. Bah oui. Aucune trace de technologie. Waouh. Tant que son camouflage est... biologique. Oh putain. Ouais. Bizarre. D'accord. Hey, regardez des fusées éclairantes, là-bas. Ça pourrait venir des nôtres. Je vais ajouter les coordonnées. Ok, exact. On y va. Qu'est-ce qu'il y a en bas, à votre avis? Des façons encore plus innovantes de mourir? On pourra peut-être traverser avec les micropropulseurs. Ok, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Technologie inconnue. Ce bruit? Ah, des dieux aliens des enfers? Dites pas des choses pareilles. Du beryllium, je prends. Je pense que ce sont des machines. On sent les vibrations. Les proportions de tous ces trucs. Qui a construit ça? Des dieux aliens. Des dieux aliens, il continue. Ok, on a des ennemis. Et tous nos potes sont pas dans la bonne direction. Moi bien cette histoire. Ryder, encore ces aliens.
Il nous voit. C'est parti. Quoi? Pas du genre. Wow. Crève, charogne. Attention, il sert de ces créatures. Ouvrez l'œil, il se camoufle. Ça, c'est pour Kirkland. Putain. Il a pris la seule planque. Vous en faites pas pour moi. C'est chiant. Putain, il est là. Putain, le recul de l'arme. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Les deux, un. Les deux, deux. Il est hors de portée, non? Non, même pas. En tout cas, la tête, ça marche. Hein. Je sais pas si... Voilà. Et voilà le travail. Vous vous débrouillez pas mal, Ryder. Je gardais un relais gravitationnel. Si seulement on en avait eu un pour les Arches. Je me demande ce qu'ils faisaient ici. Ils se sont écrasés, on dirait. C'est pas l'un de nos vaisseaux. Technologie inconnue, technologie inconnue. Ça vient pas de la Voie Lactée, c'est sûr. C'est l'un des leurs. Vous croyez que l'orage l'a abattu? Non, je pense qu'on va revenir sur nos pas, chers amis, puisque là... Favoritisme. Si c'était leur planète, ils sauraient sûrement gérer les tempêtes. Non, 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 on va continuer, c'est pas grave. Ok, bon bah on continue alors. C'est de la nourriture, je crois. C'est pas d'ici. Impossible de cultiver quoi que ce soit sur cette planète. Alors peut-être qu'ils la font venir d'ailleurs. Il y en aurait. Le problème c'est que vous voyez, il y a un truc là-bas. Ça me plaît moyen. Il y a clairement un truc là-bas, mais je sais pas si je dois explorer, si je dois pas. Y'a des pétoches ? Ryder, je vois une sorte de grotte là-bas. Voilà. Ça me dérange pas, hein, mais... Ah non, je voulais que tu grimpes, hein, à vrai dire. Ok. Et donc là je reviens sur mes pas, on est d'accord. Wow. Ah oui, ça pop de nulle part. Ok. Il n'empêche que c'est de là qu'on vient plus ou moins, donc mais je sais pas, je pense que j'ai dû louper un angle quelque part, attendez. Ah, ce que j'appelle un angle, c'est surtout un passage. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Wow! Hein? Vous avez vu ça? Je sais pas ce que c'était. D'objets volants. D'objets volants. Ça à la liste des trucs qui nous dépassent complètement. D'accord, vous voyez, donc ça vaut le coup de... d'explorer. Clairement. Mais par contre, du coup, je suis toujours pas revenu à l'endroit où j'étais de base. Et comme il y avait deux chemins et que j'ai pris le chemin le plus... Ah, bien. Bien. Ah, ouais, d'accord. Crac. Je préfère revenir au... J'ai pas envie de dire au point de départ, mais... Là, il y avait un chemin pour aller tout droit.
Alors je sais pas où est-ce qu'il va me mener, hein, cela dit. Vous voyez, ça semble être dans la ligne droite, quoi. Cet équipement vient d'une de nos navettes. Lequel ? De quoi tu parles ? Oui, de ça. Analyseur d'accord. Analyseur atmosphérique. Ok, on y va. Bien. Le capteur atmosphérique est toujours en état. Laissez-moi deviner. Il dit que l'air n'est pas respirable ? Ouais, mais aucun signe de pollution industrielle. C'est pas ça qui les a tués. Pas d'isotope radioactif non plus. Donc, il n'y a pas eu d'explosion atomique. Vous entendez ? Je vois surtout, hein. Attention, encore nos amis. Éliminez-les ! Tout de suite. Ok. C'est que ça. Merci pour le bouclier. Ok. C'était le dernier. La voie est libre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les aliens qu'on rencontre, et ils veulent notre peau. Oui, tu te répètes un peu, mon pote. Dépouille. Chargeur supplémentaire. Réserve 50 minutes pour le fil de combat. D'accord. Nouvel objectif. Fouiller tous les cadavres. Ok. Ça. La porte. Ok, intéressant, intéressant. Extrêmement intéressant. Waouh, j'adore. J'adore le petit côté découverte finalement. Ouais, merci. Je pensais que t'allais pas le faire, tu vois, tu m'as fait peur. D'accord. Du matériel, mais pas qui nous intéresse. Ok. Des flammes. Ok. Intéressant. C'est extrêmement intéressant. Il y a encore un chemin qui se... Quoi ? Épave droit devant. J'ai cru entendre un tir. C'est l'autre moitié de notre navette. Et dans quel état ? J'arrive pas à croire qu'on s'en soit sorti. Qu'est-ce qu'on a ? Tout prendre. Module intensité. Lunettes FA1. D'accord, capsule omnigène. Ok. Je prends. Il faut encore qu'on arrive à quitter cette planète. Merde ! Ça bouge dans le périmètre. Vache. J'ai une embuscade ! Ils ont l'avantage sur nous. Mais non. Encore ces créatures. Merci pour le bouclier. Ils l'ont cherché. Ils essaient de nous encercler. Surveillez vos arrières. Et nos avant. Et nos côtés. Il est con. Wow. Alors fais-moi le malin, hein, Arthur. Vas-y, j'arrive. Soutien ! Voilà. J'ai pas eu le temps. Terminé. Dommage. J'ai pas eu le temps. La boîte noire est là. La boîte noire. La boîte noire. La boîte noire. On est d'accord, il vient bien parler d'une boîte noire. Bobine d'amortissement, recycleur portable, si tu le dis. J'ai pas rêvé. J'aurais juré qu'il vient parler de la boîte noire. Ah bah oui, elle est là. Hop, allons-y. Violemment frappé par la foudre. Ah. Quelle est votre position ? Ah. Super endroit. Merde. Hyperion, ici le pionnier. Ce
Ah merde, je crois que c'était un truc que j'avais sur moi. Préparez-vous à un atterrissage d'urgence. On a perdu la moitié du vaisseau, préparez-vous à... Non, c'est vrai. Il reste une chance. Je vais repartir par là. Essayez de rejoindre, vous savez... Bah non, ça doit être ça la ligne droite en fait. L'autre ligne droite, ça doit être ça. C'est ça. Donc en fait, j'aurais pris tout droit. Je serais arrivé derrière mes ennemis, je pense. Ah, attendez, parce que là... Ah non, il veut pas. Ennemi ? Ou pas ennemi ? Il y a une sorte de structure sur cette colline. Les tempêtes ont ravagé cet endroit. Comme tout ce qui se trouve sur cette planète. Peut-être une sorte de paratonnerre. J'ai aucune idée de comment le faire marcher. On va aller voir. Un paratonnerre cassé. Ça expliquerait pourquoi le bâtiment est dans cet état. Des tempêtes ont ravagé cet endroit. Espérons qu'il n'y a personne à la maison. Ça ressemble pas franchement à une maison. Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ça fait presque jeu d'horreur là pour le coup. Presque. Ouais, personne ne vit ici. Qu'est-ce que c'est alors? Ça ressemble pas aux autres structures qu'on a vues. La conception est différente. Il doit y avoir un moyen d'allumer la lumière. Zone à fouiller, Lise. Les zones intéressantes, d'accord. Tout prendre, culasse de pistolet, pistolet 1, canon FP1, d'accord. Je prends tout. Donc clairement, le fait qu'il y ait des munitions n'est pas bon signe. Ce genre de bruit n'est pas bon signe non plus. Qui sait ? Appelons ça une machine alien bizarre. Sam nous serait vraiment utile là. Oui, je confirme. C'est quoi tout ça ? Tiens donc, encore une machine alien bizarre. Encore une ? C'est vrai ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Vous voulez l'allumer ? C'est François ! Jonathan ! C'est la même langue que ces aliens. Rien. D'accord. Apparemment, c'est ça l'objectif. Faites, Ryder. Lumière. Hey, merde. Je le sens mal. Ça ressemble à un cryo. Oh. Donc cette machine alien bizarre est un générateur. D'accord. Ouais, par contre, ça ressemble à des trucs de cryo. Hein. Il servait peut-être à quelque chose. J'ai les yeux qui piquent tellement. Waouh. Je suis sur le cul par le jeu. Le jeu est vraiment intéressant. Et là, il y avait une porte. La porte s'est ouverte. Oh, ah oui, putain. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce conteneur ? Tout prendre. Fiole avec graines germées, valeur élevée, semi-conducteur. D'accord, je prends. Possible, jusqu'à ce qu'une tornade s'invite. Appareil alien. Si jamais on peut les traduire plus tard. Très rapide, temps d'accéder aux consoles Rogue 4 en décodant automatiquement les glyphes qui les protègent. C'est d'accord. Apparemment, c'est rouge, hein. Bizarre. On a connu mieux au niveau poésie. Je sais pas ce que c'est, mais d'après le scan, ça date de plusieurs siècles. Wow. Le niveau d'énergie derrière cette porte. Si elle est fermée, c'est peut-être pas pour rien. Ils ont mis le nez là où il fallait pas. Ils sont en plein combat. Hein. Les robots tueurs en prime. Les guettes adoreraient cet endroit. Quelque chose à faire avec cette porte ou... Elle est grillée. Ses blessures ont l'air d'avoir été causées par une décharge d'énergie. Il s'est peut-être frotté à notre ami robot. Et apparemment la porte ne s'ouvre pas. Hein.
Bon bah tant pis. C'est la vexation, hein, c'est... Ce sont des choses qui arrivent. Pour partir ? Vous nous avez pas enfermés ? Non, c'est bon. Vous voulez vraiment pas jeter un œil là-dedans ? Mais j'en viens ! Qu'est-ce que tu me chies ? Objectif. Bah non, tu vois, y'a plus rien là-dedans. J'ai tout fait. Je veux bien, hein, moi, ouvrir. Y'a pas de soucis, hein. Tu me donnes la clé, puis j'ouvre. Mais non, y'a rien. Me ressort pas la phrase. Merci. Ok, on y va. Je suis vexé, je pensais qu'il allait y avoir un combat, mais non, finalement. Mais quel temps dégueulasse. Wow! Attention, vous nous attendez. Mais merde. Wow! Sois un paratonnerre en état de marche. Ces trucs nous suivent ou quoi? On dirait bien à force. Merci pour le bouclier. Pas question que je crève comme ça. On voit bien qu'ils s'en foutent. Question. Est-ce qu'il se casse le paratonnerre? Je peux pas scanner. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, tu sais quoi? Donne-moi ton shield. Merci. C'est bon. C'était le dernier. Oui. Ne restons pas là. Il pourra en arriver d'autres. C'est bien ce dont ça a l'air. Ça sert à protéger de la foudre. Oui, et ben ça m'intéresse. Wow. Il y a un chemin qui descend à droite. Vous entendez ça? Ouais, des parasites. Mais avec un rythme. Qu'est-ce que vous voulez? Non, non, pas deux fois. Au secours! Vous avez bon cri, on est là! Restez à couvert! Wow! Oh, alors c'est nul! Pas. Voilà. Boum. C'est bon. Bon mon ami. Merci d'être venu. Je tapotais mon micro en espérant que quelqu'un le remarque. Ça va? Ça va. Comment ça tu tapotais ton micro et dans ton casque? Je vais Kirkland. Mais Fisher est en vie près de l'épave. Il s'est cassé la jambe. Il a besoin d'aide. J'y retournerai après avoir jeté un coup d'œil ici. Il y a peut-être du matériel. Attendez-nous là-bas. Nous on va chercher la navette de mon père. Bonne chance. Matériel là-dedans? Non, j'ai pas l'impression. À mon avis, beaucoup de monde. Qu'est-ce que... Si on a envie de se briser le cou... Alors, je pense pas que ce soit par là qu'il faille que j'aille. Donc, je vais pas aller par là plus loin, en tout cas. Plus loin par là, plutôt. Mais ces structures sont extrêmement impressionnantes de par leur taille. Et pourtant, comme il l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune marque de... d'industrialisation ou n'importe quoi. Alors aussi, j'aimerais revenir là. Puisque ça a l'air d'être intéressant ce qu'il y a en haut. Non, t'as pas compris ce que je voulais faire, toi. Ah ah. Il y a des cadavres ici. Ah ah. Je me demande ce qui s'est passé. Ah bon, s'il y a que des cadavres, ça va pas être aussi intéressant que prévu. Un conteneur, voilà. Crac. Munition solaire magnésium, ok. Et du crédit apparemment. Enfin, des crédits. Ok, j'ai bien fait de monter, finalement. La foudre qui se permet de me frapper au passage. Pourquoi pas, après tout. Ok. Un instant, je vais quand même voir, chers amis, où est-ce qu'on est dans l'épisode, parce que là, je bourre un peu, on a 34 minutes à m'écouter, chers amis. Moi, je vais vous laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.